Ça, c'est vrai. Les travaux débutent pour l'agrandissement de notre maison-chalet avec le studio. C'est malade. C'est hâte de voir ça enfin. Et je vais documenter. On va faire un petit vlog de ça. Fait que c'est parti. C'est notre nouveau terrain de jeu. C'est un agrandissement à notre maison dans le bois. Et en fait, là, je suis assise dans notre escalier, je pense. Ouais, je suis assise dans notre escalier. Puis ça, ici, c'est le studio de mon amoureux. En haut, là, c'est notre chambre. Studio. Chambre. Première fois que je mets mes pieds dans la ville de Chicago. J'ai déjà atterri à Chicago. Fait que c'est ça. Ah oui, puis en passant, découverte, marché aux puces, 25 cents, OK? Ça vaut 420 $ sur eBay. C'est malade, écoutez ça. Bye bye! Je suis en Suisse. J'ai décidé de commencer à vlogger aujourd'hui pour recommencer à montrer ce que je fais tout simplement. J'ai eu une belle blague d'un Suisse. J'ai l'impression que ça fait super longtemps. Il mouille un peu. Première fois que je vais en Suisse qui mouille. C'est pas grave, ça change le mood, c'est différent. Je suis ici aussi pour un projet personnel que je vais vous dévoiler sous peu. Man! Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, puis ça fait tout drôle parce que j'en fais plus de vlogs. Mais là, j'en fais un, puis ça va juste être malade. Puis surtout que là, mes caméras, je capote dessus. J'ai l'impression de retrouver toutes mes anciennes amours de caméras, puis ça me fait capoter. C'est parti, je m'en vais sur la route. Je vais filmer tout ce qu'il y a de beau, puis ça va juste être capoté encore une fois. Voici ce que je trouve. Des paysages qui ne font pas sens. C'est démesuré, c'est beau, c'est fou, je capote. Est-ce que vous voyez la petite chute ici, là? Là, 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 en tout cas. Man. Phew. OK! C'est-tu beau la Suisse? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a plein de choses qui se passent en même temps. Il y a des camions qui parlent. Bonjour. Camion qui parle. Monsieur me reconnaît. Moi,
Je me souviens même pas c'est qui. Ah! Là, il fait beau ce matin. Il fait pas super chaud, mais au moins il fait beau. Je m'en vais en direction de l'est de la Suisse. J'irai pas super, super loin. J'ai environ 2h30 de route à faire. J'ai un pass que je vais aller voir. C'est comme une route qui fait juste du zigzagolage en montant sur une immense montagne dans les points les plus hauts. Je vais aller voir ça. J'en ai déjà vu un qui était le Furkas Pass, une affaire comme ça. Puis là, je vais voir l'autre d'à côté. Donc, je vais aller voir ça. Tout est beau. On est au paradis. Donc, ben c'est ça. Je vais continuer à vous faire visiter un peu avec moi comme vous étiez à côté de moi. Vous aimez ça être à côté de moi, hein? Le vlog se poursuit. On est en direct maintenant de San Francisco. À San Francisco, on a grandi tous mes collègues. Parce que quand je débarque l'avion, tout le monde s'arrache. Tout le monde sont comme « Oh, Yannick, ça tient! » Fait que là, on est dans le petit train, magnifique. On s'en va chercher notre rental car. Après ça, on monte dans le nord. Visiter. J'étais avec Philou. Dans mon vidéo. C'est comme un lieu abandonné. C'est genre Point Rise, si je le prononce comme du monde. C'est un ancien lieu historique pour la communication radio. Présentement, c'est fermé, mais le décor est juste comme bien spécial. En plus, on a du beau temps. Phil s'amuse ici. Il y a comme une ligne de poteau qui fait une belle symétrie. C'est juste du beau. Vive la Californie. C'est très difficile de ne pas aimer. Méga belle journée à juste visiter encore. On s'est claqué un autre hier, ça a été fou la fin de la journée. On s'est claqué un gros 4-5 heures de route. Puis là, on est en ligne encore sur un autre 4-5 heures de route, mais on passe au travers. On passe pas compliqué. Quand je prends la route, j'enlève les tolls, j'enlève les highways, puis je m'assure de juste passer par des chemins qu'on passerait pas habituellement. Puis là, bon, on est en train de traverser des montagnes. On est encore quand même à 2 heures, en direction de Lake Tahoe, puis on passe au travers genre des montagnes de malade. C'est aussi beau que le reste. Magique. Là, on s'est trouvé une belle rivière. C'est Philippe est en arrière de moi. Oh, bro, tu vas dire de quoi, bro, parce que là, je te filme. Qu'est-ce qu'on a trouvé, Phil? Un village de gens qui aiment le vélo, au milieu des montagnes. C'est genre... Ça va être intéressant pour les gens. C'est où le village de vélo? C'est quelque part aux États-Unis. Oui! Entre les montagnes. Ouais. Y'en a qui l'a pleuré. Toi, Phil, c'est quoi la chose que t'as le plus aimé en Californie? Tu sais, passer du temps avec moi. Nouveau matin, nouveau vlog. Je
suis avec la van que vous voyez ici. Ça, c'est notre nouvelle acquisition. On est bien heureux, c'est trippant. On n'en a pas encore assez profité. Moi, je suis en direction de la Saskatchewan depuis la maison. J'ai eu un mariage là-bas à Davidson. Il reste 1700 km. Là, je me suis arrêté sur un grand terrain de baseball qui est assurément abandonné pour lancer la balle à mon petit garçon. Puis on s'amuse ensemble. C'est mon best. Il a fallu que je monte mon chien parce qu'il veut pas monter là-dessus. Puis là, on est en haut de une mine. Hein, Jackson, c'est une mine? C'est la mine de quoi? C'est la mine de quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ben voyons! Qu'est-ce qu'ils font? Je vais prendre ma douche en arrière du camion. Cette étape est là. Tout est prêt. Jackson, tu vas m'observer. Tu surveilles qu'il n'y a pas des fous qui me regardent les fouines, hein? Petit gars? Bonjour! Ben, je voulais juste vous dire merci de regarder le vlog. Puis je me sens bien privilégié. J'ai beaucoup pleuré. C'est magique d'être aussi loin pour vivre quelque chose d'aussi beau. Puis, ben, c'est ça.